L'histoire du Québec avec Gilles Prou. Le Québec, pas le fédéral, le Québec, moi, ah, ça fait du bien. Aujourd'hui, on parle de la découverte de Montréal, 1642. Attention, toutes les voitures patrouilles sont demandées au poste 42. 1642, donc. J'aime les nuits de Montréal, même si je les passe seul à regarder des films cochons que je loue dans des vidéoclubs pakistanais. Ah, pas problème. Où on ne me reconnaît pas. Pas connaît Gilles Prou, qui c'est ça, Gilles Prou? Je connais pas Gilles Prou. Gilles Prou, c'est moi, Gilles Prou. Et je loue des films XXX que je vais ensuite écouter dans mon triplex. Alors, Montréal, 1642. Toutes les voitures sont demandées, poste 42. J'en ai sauté des bouts, mais comme je suis moi-même sauté des bouts, c'est au bout de toutes, comme disait Raoul. Raoul, qu'on ne voit plus et c'est bien, tant mieux. Montréal, fondé par de Maisonneuve, pas le parc Maisonneuve, pas le cégep Maisonneuve, ni l'hôpital Maisonneuve Rosemont, Mont-Royal avec sa croix plantée. M'a planté la croix, non. Par de Maisonneuve, mais il n'y avait pas de petite lumière le soir parce que l'électricité, ça n'existait pas. Dans ce temps-là, on se chauffait au scorbut. Le scorbut, et le gros clone mouton monte sur sa bédaine et le Canadien de Montréal remporte la Coupe Stanley avec son défilé sur la rue Maisonneuve. Yeah! On perd des vitrines. Maisonneuve débarque de son grand bateau pour nous en monter un. Bateau. Et font des Ville-Marie. Bateau. Non, il n'y a plus de bateau là. Qui n'était pas encore une autoroute. Et ensuite, Hochelaga, qui n'était pas encore une rue. Et mon texte, qui n'était pas encore écrit. Et Métropolitain, lui, dans tout ça. Un minable, il n'a rien fondé. C'est un minus, un fédéral. Vive le Québec! J'espère que le message, quoique subtil, a été saisi par les auditeurs. Donc, Maisonneuve est arrivé à Montréal en pleine heure de pointe. Il y avait plein de canots d'Indiens qui bloquaient sur le fleuve et il les envoyait dans un grand stationnement à Kanawake. Sauvage, enfermez-les! Bien que je n'ai rien contre eux personnellement. C'était pas Maisonneuve, c'était Gilles Proulx.